Salut les gars, c'est Angband. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment vous faire de l'argent de poche. Je connais à peu près 4 ou 5 techniques. Il y en a certaines, c'est quand vous êtes dans le nord, et il y en a d'autres, c'est quand vous êtes dans le sud. Donc pour les gars qui sont dans le sud, alors il y en a une que j'ai principalement utilisée, c'était ramasser des escargots. Donc ça, vous en trouvez dans les buissons ou sous les rochers. Mais là, moi, je les ramasse dans des champs. Donc dans ces champs-là, il y a des allées de pommiers et je les trouve au pied des arbres. Donc ça vaut 4,50 € le kilo. Donc ça dépend des années, là c'est 4,50 €, l'année dernière c'était dans les 3 €. Ensuite, dans le nord, il y a une technique, c'est ramasser de la ferraille. Donc ça, la ferraille, vous la trouvez quand c'est les encombrants. Donc dans les encombrants, bien sûr, alors il faut avoir une voiture, c'est mieux. Sinon, bah, vous vous démerdez avec votre vélo, j'en sais rien. Et donc la ferraille, je vous mettrai le cours des métaux, un site où il y a le cours des métaux. Ensuite, il y a un autre truc qui devrait se vendre dans le sud, ça je l'ai jamais fait, donc ce serait vendre des plaquettes vertes. Donc les plaquettes vertes, c'est par exemple dans les ordinateurs, dans les télés et tout ça. Donc ça devrait se vendre aussi, je sais pas, j'ai jamais cherché. Donc vous regardez sur internet, vous regardez si combien ça vaut. Ensuite, il y a dans le sud, il y a les châtaignes. Donc là, la saison, je crois qu'elle est passée, et sinon c'est pareil, les gens ils les rachètent. Et un dernier truc, c'est les champignons. Donc les champignons, c'est pareil, je connais pas non plus. Et faut regarder aussi sur internet. Donc si vous avez des questions à propos de comment les escargots, quel moment c'est le mieux, quand il fait chaud, quand il fait froid, tout ça. Et après, pareil, les ferrailles. Donc les deux que je connais, les deux domaines que je connais le mieux, c'est les ferrailles et les escargots. Et c'est ce que je trouve qui rapporterait le mieux. Les châtaignes, ça peut être bien aussi, mais je sais pas, faut voir.